du miel et un kamas. Je crois qu'ils ont capté mon état, ouais. Avec mes spartiates, on les ramasse. Et qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Fait son apparition. C'est encore nous. C'est Créteil, c'est le 94. C'est chez moi aussi. Hein. Tu viens de sortir ton premier projet, ta première mixtape, qui s'appelle Dans le Camtar, volume 1. Volume 1. Est-ce qu'on on imagine qu'il y aura un volume 2 du coup? Ça se trouve, ça va être le volume 3 directement. Ou le 1.5. C'est disponible depuis ce vendredi. Mm. On connaissait déjà les 5 premiers épisodes. Et puis le 6 avec le clip de Habana qui vient juste de sortir, qui est disponible sur YouTube. Total. 11 titres, 33 minutes. Quels ont été les premiers retours pour ton premier projet? Déjà, c'est une mixtape qui est quand même assez bien faite. Enfin, c'est ce que les gens me disent. Hein. Que c'est assez bien fait pour une personne qui vient de commencer entre guillemets. Ouais, parce que disent, en vrai, tu viens de commencer, mais ça fait déjà. Ouais, ça fait déjà un bout de temps que je suis dans la musique, mais on voit comment. Ça fait combien de temps que tu rappes? Sans rigoler, en mode dans le prendre au sérieux. Moi, j'ai toujours pris la musique au sérieux. Depuis tout petit, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Ah ouais, donc c'est toujours c'est pris la musique au sérieux. C'est jeune. Toujours kiffé la musique depuis tout petit. Ça a toujours été dans mon quotidien. T'as capté quoi? Ouais, t'es matrixé en vrai, c'est ça. Mais ça a toujours été le rap ou c'était deux styles au début? Non, avant je faisais du rap de gosse un peu. du rap de mon âge, c'était ouais. Raisonnable. Après, je m'ouvrais comme aujourd'hui, je peux toujours m'ouvrir en fait. Je sais que je me considère pas comme un rappeur mais comme un artiste. Ouais, okay. Justement, on va en parler de ça parce que si t'écoutes bien le projet dans l'ordre, on retrouve deux parties dans ce projet. T'as l'intro jusqu'à Habana où c'est vraiment du kickage pur, ça envoie à fond. C'est du sale. Et de chaque jour jusqu'à l'avant-dernier titre à la maison, c'est des sons plus mélodieux. Et après, tu finis bien sûr avec Dans le Camtar, un grand son kickage, le titre éponyme. Mmh. Est-ce que c'est fait exprès cette mise en place du projet? On va dire que on a organisé ça, tu vois. Dans les choix, tu peux pas faire n'importe quoi. Même, tu vois, juste. Le premier son du dernier, faut que chaque son il soit mis à telle place parce que tu vois, c'est important. Parce qu'en vrai, l'intro et Dans le Camtar, c'est aussi des gros morceaux, mais on a l'impression quand même c'est bien dispatché. T'as les sons mélodieux, doux, où ça chante, on retrouve les feats avec Franglish et il y avait le feat avec Lidam et Didi Monet. C'est on va dire que c'est collé. C'était une volonté ou C'est par rapport au mood. Imagine, t'écoutes la mixtape, tu prends une claque, au début, ouais. Arrête, tu vois, tu prends une claque déjà. Et après, vers tel son, tu vois, tu dis, mais en fait, c'est vers ça. T'as capté ou pas? À partir de chaque jour. Ouais, je pense à partir de chaque jour. Et c'est le morceau qui a atteint 500 000 vues sur YouTube. 500 000 vues sur YouTube, les sons que tout le monde me demande. Mais du coup, tu préfères quoi? Le kickage ou la mélo? Franchement, c'est dur, hein. J'ai pas de préférence. Franchement, j'ai pas de préférence, hein. Ça dépend du mood. Ouais, ça dépend du mood. Je vais être sur des sons chantés ou des sons rappés. Bon, après, il n'y a pas d'entre-deux. Enfin, il y a pas un autre truc, mais. Et si on doit définir le style, le style de Megaski, comment toi tu définirais? C'est dur, hein. C'est dur. Surtout que t'es jeune, peut-être. Mon style. C'est parce qu'en vrai, tu vois, moi, ça tenait qu'à moi. Je ferais plein d'autres trucs. Mais déjà, la base, quand même, je suis quand même rappeur, quand même, en premier. C'est-à-dire, on peut dire ce que je veux, je suis quand même rappeur avant d'être. Mais je me considère comme un artiste, ça veut dire que si tu mets, en fait je me dis pas je vais faire dans tel projet des sons trap, des sons chantés, c'est j'ai tel prod, je kiffe le son, la matrix, le truc, si c'est ma voix qui sort, c'est une voix chantée, c'est une voix chantée. Ouais, mais même, t'as capté, même si tu te fies juste à la vibe de la prod, on sent quand même que pour un premier EP il y a une vraie organisation comparé à d'autres EP de certains rappeurs ou d'autres EP de mixtapes qui sont sortis. On sent que c'est le premier, hein, c'est ce que tu dis. Ouais, c'est le premier, on sent déjà une organisation, une volonté de montrer que t'es polyvalent, que tu sais faire ceci, cela. J'avais fait une vingtaine de sons en quelques mois, donc après ça a été du choix en vrai. Parce qu'il y avait une autre série aussi qui était sur YouTube. Il y avait une autre série, c'est encore nous. Ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose, des trucs que j'ai enregistrés pour parce ça. Parce qu'il a trop d'inspiration. Il a dit, il a commencé à 8 ans. C'est-à-dire qu'il y a pas longtemps. J'ai un speed full up. Mais en vrai, j'écris tout le temps, je suis grave productif, j'écris tout le temps. Ça c'est important. Et c'est ça en vrai, peu importe là où je suis, là même, vous me laissez 5 minutes dans le coin, je vais commencer à écrire, t'as capté? Pour la petite anecdote, il doit faire un freestyle, il n'y a pas d'instru, il m'a dit tu mets une instru et je m'adapte. Et t'inquiète, je m'adapte. Non, kick en réel, mets l'instru, t'inquiète pas. On va voir ça à la fin alors. On retrouve sur le projet Lidam, Didi Monet, sur le titre Contaminé, qui c'est un projet très intéressant, enfin un morceau très intéressant qui était sorti aussi avant le projet. Il y a Franglish qui est sur la mixtape, pardon, avec le titre Blessé. Comment se sont faites les connexions? Lidam et Didi, c'est mes petits refs. Déjà.
Ouais. Et Franglish, bah, c'est le poteau en vrai. Donc c'était, c'était évident. C'était évident. Pour une première mixtape, normalement, je me vois pas arriver avec tête d'affiche. Ouais. Je me voyais, c'est moi et t'as capté. Et après, du coup, j'ai mis mes petits refs parce que c'est mes petits refs. Et Franglish, c'est le poteau. Franglish, c'est le poteau. En fait, c'est feeling musical, mais, ouais, plus, feeling. Mais ouais. Beaucoup plus. C'est, ouais, c'est le poteau. Moi et lui, on se voit, on parle très peu de musique. Voilà, ça, c'est important aussi. C'est ouais. Ce que disait par exemple RK et Kobaladé, que maintenant, c'est même plus musique. Ouais, et après, on le ressent aussi dans le feeling ouais, musical, c'est important. Pour toi, à quoi va te servir ce projet? C'est ma carte de visite. Hein. À te présenter. C'est, hein, ouais, c'est. J'ai un. Mettre mon nom comme ça, tu vois. Je pose le truc. Voilà, je pose le truc, voilà, guettez seulement ça et ouais, attendez ça. Ce qui va arriver après. Ouais, c'est ça. C'est pour montrer en fait aux autres ce que tu sais faire en je fait. Je m'introduis. Simplement. Voilà, exactement. Je m'introduis, je mets un pied dans la musique. Dans le game. Dans le game. Dans mon état, tu dis cette phrase. J'ai commencé petit à la nénuphar, maintenant je suis dragon, venu les terrifier, quoi. Est-ce que ça veut tout dire? Est-ce que ça veut tout dire? Ça veut dire que j'ai commencé petit à la nénuphar. Et là et après j'ai évolué, et le monstre a évolué. Et pour toi là, comment tu te définirais dans ce rap? T'arrives quand même à tout doucement ou tu te dis t'inquiète là je vais tout tuer? Bah il faut que chaque chose que je fasse soit dans l'optique de tuer en vrai, d'atteindre. La détermination? Toujours déterminé. C'est important? Je suis toujours déterminé. Ton nouveau clip Habana est disponible, c'est l'épisode 6. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau? On va se l'écouter juste après. Il est dingue. Hein. Tu devais être possédé en studio. Tu devais être possédé en studio. Moi, je suis très souvent possédé en studio. Un son où ça kick fort aussi. Hein. Ouais, ça franchement. Parce que là, il y a une voix douce. Hein. Mais t'as vu la voix c'est pas pareil. Hein. T'as envie de faire bouger des locks, mais t'as pas de locks. Tu te fais juste mal au cou. C'est ta tête. Non, ce son, en vrai, c'était. Je me rappelle, c'est le jour où je l'ai enregistré. Je m'en souviens très très bien. J'étais tout seul au studio. Moi je suis un bouc à tout seul. Souvent les mecs qui crient fort, c'est Badjar qui nous disait ça aussi sur ce plateau. Que quand, c'est pas qu'il a honte, mais il a envie vraiment aussi de s'exprimer, de bien crier. Ouais. Il aime peut-être qu'il y a personne, c'est plus facile avec leurs démons. Ah, moi qui ai des gens ou pas, ce qui va sortir de ma bouche, ça va être la même chose. Mais j'aime bien aussi des fois aller en studio, surtout. Même les personnes qui m'accompagnent, généralement, elles viennent peut-être après. Ouais. Elles savent que quand je commence mon truc, je sais pas, j'aime bien, je suis tout seul, j'ai pas une direction, on me dit pas d'aller dans telle direction. Moi, je suis un mec, je vais tout droit, genre, ce qu'il y a dans ma tête, tu vois. Après, dès que je l'ai, tu vas me donner conseils, moi, je prends tous les conseils. Après, tu vois, on s'arrange. Et ça a donné Habana ce jour-là? Et ça a donné Habana, et j'étais au studio de ça, et mon petit ref est un pote à moi et tout, j'ai des. Qui est. Bon, il est Keblo, bref, c'est notre histoire. force à lui, en tout cas. Ouais, force à lui, de ouf. Et ils sont venus me rejoindre et tout. Et je sais pas, hein, ils m'ont mis dans une ambiance, ils m'ont saucé de ouf en mode. Oh! Mais là, on dirait. Ambiance sombre là. T'as fait une dinguerie là, on dirait. Et je sais pas, ça m'a saucé de ouf, je suis retourné dans la cabine. Et j'ai fait une piste en une fois et tout. Avec, je sais pas, des trucs, tout ce qui sortait par ma tête, je sais pas. Et au final, ça a donné un bon. De toute façon, je l'ai posé en une fois. La lead, j'ai fait une fois. Une fois. Et la plupart de mes sons, c'est ça. C'est fort, hein. Ouais, c'est un côté dynamique, ça apporte un côté fort, hyper spontané. Ça a donné Habana, je te propose qu'on se l'écoute tout de suite. C'est disponible dans le projet de Megaski dans le Camtar, volume 1, c'est Habana. Ta petite copine veut ma paix, donc elle coûtera à ma bœuf. On veut le beurre et l'argent du beurre, donc ça vend du jaune comme pop. Pour le biche, te fais une passe si t'as la peur, pas de trunk. J'suis pas rentré dans vos trucs, avec mes pirates je trinque. Ouais, 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 Habana, Habana, Habana. Habana, Habana, Habana. Habana, Habana. Tu me disais que t'avais eu des très bons retours hein, par rapport à ce projet. Ouais, j'ai eu des bons retours et Habana, les gens, ils sont fous sur Habana. Ça aille l'ambiance de fou. Est-ce que tu imagines ça en concert là? Ah, c'est une dinguerie. Là, ça sur scène, ça doit être incroyable. Ça doit être dangereux. Ouais. Je l'ai jamais fait encore. J'ai une petite question. Moi qui viens de Créteil, j'ai la curiosité quand même. La connexion. Exactement. Ouais. Connexion 9-4. De demander, est-ce que t'as une volonté en vrai de placer Créteil sur la carte? Parce que c'est une grande ville, 100 000 habitants, qui a pas eu de rappeurs qui ont pété vraiment. Obligé d'inscrire mon nom, même Créteil, même le 9-4 déjà. Ouais, déjà. Parce que c'est vrai que dans le 9-4, on a des TF, etc. Ils sont beaucoup plus que nous dans d'autres départements. Ouais, c'est vrai. Ils ont 9-4, beaucoup plus. Quand tu vois le 9-1 et l'expansion du 9-1, il y a quand même pas mal de monde dans le 9-4, mais c'est vrai que là c'est le 9-1, le 9-3. C'est ça, qui ont le monopole. Mmh, en vrai, t'as envie de replacer le 9-4 là où il doit être. Exactement. On t'a également retrouvé sur le dernier album de Lefa,
Fame, avec qui tu apparais sur Megazord. Neuf Katiaroff. Comment ça s'est passé? Oui. Oui, bah, là, oui, là, il parlait aussi de cette nouvelle génération. Ouais, il y a du oui, monde. Il y avait Rimka, il y avait Rimka, il y a Roff. Non, je sais pas, je voulais dire dans ma tête en fait. Il y a quand même du monde. Je te rappelle qu'on est en direct et on t'entend, Marouane. Si tu veux t'exprimer, tu peux t'exprimer. Donc, du coup, on te retrouve sur Megazord sur l'album de Lefa. Comment ça s'est fait aussi cette connexion? Bah, il a eu une inspi nocturne. Nocturne, donc image sombre, tout ça. Noxious. Parce que... Voilà. Déjà, ça commence comme ça. Il avait le son. Et puis, il a pensé à Megazord. Et il a dit en mode. Megaski. Bien Megaski dessus, tout ça. Ça veut dire, ça m'a appelé. Ça m'a envoyé la prod, tout ça. Et voilà, ça fait rapidement. Ça s'est fait comme ça. Très rapidement. T'as eu des bons retours aussi parce que Lefa, il a sorti un gros album aussi. Bah, pour très certaines sale. Personnes, c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai fait. Alors que moi, je savais pas, c'était ça en fait. Je savais pas, c'était comme ça. Et non, franchement, j'ai eu des retours de ouf. Les gens, forcément, ils me reconnaissent beaucoup par rapport à ça, tu vois. C'est bien. Puis on t'avait avec lui aussi sur le Grunt. Sur le Grunt, sur le Freestyle Grunt. Et où il m'a invité. On a kické, on dirait. T'es quand même assez, comment dire, pas protégé, mais. Le petit poulain de Barak Adama qui est avec nous et à qui on passe le bonjour. Il est pas trop loin. Il y a Maska qui est venu ici qui m'a beaucoup parlé de toi également. Ah bon? Exactement, il est venu il y a 3 semaines qui m'a parlé de toi. Ouais. Je lui ai passé ça là. T'es sur l'album de Lefa, t'es quand même bien entouré avec la section d'assaut, avec pas mal de gens de la section d'assaut. T'as 19 ans. 19 ans. J'imagine que t'as grandi avec la section d'assaut comme nous, on a à peu près 19-20 ans comme toi. Est-ce que c'est un honneur aussi d'être entouré de ces personnes-là? C'est quelque chose, hein. Je me rappelle quand j'étais petit. C'était au collège, hein? Petit. Moi, j'ai pas connu la section d'assaut en mode. Avec écrasement de tête avant? Avant. Ok, donc t'étais le mec à Châtelet qui allait acheter les. Limite, non, mais vraiment, je me rappelle que. Même la première émission, les premières émissions télé de la section d'assaut, j'étais là. Parce qu'on s'est dans le même truc. Genre, moi, je me rappelle, j'étais petit quand je rappais tout ça. Ouais, j'avais rappé à la même émission et tout, ça veut dire je crois que c'était leur première émission télé. Ah, et ça veut dire que je les avais déjà rencontrés plusieurs fois. Vous étiez fait pour vous croiser finalement? Je sais pas, on dirait que c'était fait exprès. Ouais. Genre c'est un truc. C'est le destin. Ouais. Voilà, et sûrement. Tout ça, je crois bien que c'est le destin les amis. Hein. Mais t'es pote aussi avec Kadir Zabi qu'on a reçu aussi dans l'émission. Là, je m'entends bien avec lui, hein. J'ai parlé un peu sur les réseaux, je vois il est à l'affût et j'aimais bien ce qu'il disait aussi. Ouais, on a parlé, il était là la semaine dernière, Kadir Zabi. À qui on passe le bonjour. On passe le salam, mon ref. Sur un titre qui nous a beaucoup marqué, c'est À la maison. Tu te livres énormément dessus. C'était important aussi de mettre ce titre dans ce projet-là. C'était important parce que déjà je kiffe ce son. En plus, c'est le premier que j'ai enregistré. Ah oui, il arrive en fin d'album. En fin de projet. Et c'est le premier que j'ai trouvé. C'est le tout premier? Le tout premier. Pourquoi celui-là en premier? Tu te livres beaucoup, hein, c'est très introspectif dessus. C'est le premier que t'as sorti, c'est impressionnant de se livrer autant, de vouloir dire ces choses-là pour un premier son. Moi, je pense. En fait, j'ai pas vu ça comme une. Comme une première fois, en mode je vais m'exprimer. En fait, je suis pas dans une optique où je vais dire ouais, je vais faire tel son, je vais m'exprimer. Genre, j'ai entendu la prod, j'ai écrit. Mais Gassi, c'est tout à la prod. Toujours se connaît pour tout ça. Tout à la prod. Comme j'écris tout le temps, j'avais une prod, tout ça, sous piano, tout ça, ça sonne mélancolique. Genre, ce qui me sort par la tête, je me suis pas dit, genre, je vais faire un son, je vais me livrer. Pour le mettre, genre non. Je sais pas, je suis pas dans une mentale où je me dis je vais faire tel son pour ça. Ouais, je le fais. Toujours ce côté spontané, dynamique. J'aime bien ça quand ça. On le ressent dans le projet. Tu l'entends. J'ai du mal, j'arrête pas de dire album, c'est une mixtape, les amis. On le ressent dans le projet. Bientôt l'album. Bientôt. Et tu disais aussi que tu te considères comme artiste, tu kiffes faire du rap, tu kiffes faire aussi de la mélo, et tu te voyais faire autre chose. C'est-à-dire un autre style musical ou. Non, ça peut être une autre voix. Enfin. Pas une autre voix, une voix alternative, ça se trouve. En vrai, je peux pas te dire là maintenant parce que je suis pas encore dans ça. Par exemple, écrire pour les autres, comme fait Mascan. Ouais, notamment. Par exemple, pourquoi pas. Okay. Là, je pourrais pas te dire parce que ça se trouve, c'est pas dans ça que je vais m'orienter, tu vois. Ouais. Et. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça, qui écrivent pour d'autres artistes. Moi, en tout cas, j'ai déjà écrit. J'ai écrit pour des artistes. Je pense que c'est pas des artistes que tu connais, c'est des gens de la ville, des gens que tu connais. Pour faire monter Créteil. Ouais, des gens de Créteil, des gens de 9K, des amis artistes. C'est un numéro 10. Et franchement, j'aime bien écrire pour les gens, c'est une bonne expérience parce que tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre en vrai. Et c'est dur ou pas? Parce que ce que nous disait Maska, c'est que là, vraiment, tu t'installes dans son univers et que carrément, t'écris vraiment pour lui. Ce qui est dur, c'est que si tu.
c'est d'écrire pour une personne que tu connais pas en fait. Ouais. Ça par contre c'est dur. Ouais. Personne que tu la connais pas, tu sais pas dans quoi elle va, ou elle a pas beaucoup de son, elle a pas de son sorti même. J'ai déjà écrit pour des gens, ils sont pas sortis son. C'est dur. Parce que le book c'est pas en vrai, ouais, il a quoi dans la tête, il a pas son, ouais. Une personne qui t'a déjà entendu son son. Par exemple si demain j'écris pour Aya Nakamura, ben je sais de quoi je vais parler, tu vois. Ouais, voilà. C'est à peu près, tu vois, son univers, tu vois un peu c'est quoi. Tu le connais si bien maintenant. Voilà. Aya, je sais pas si elle sait de quoi elle parle, donc ça doit être encore plus dur, je pense. Chacun c'est. Non. Ouais. C'était gratuit. Mais c'était gratuit. J'ai une petite question vis-à-vis de ça. Est-ce que vous comprenez qu'un rappeur qui a pas encore sorti de son ou qui n'a pas de référence demande à quelqu'un d'autre ou en tout cas ne fait pas la démarche d'écrire lui-même son propre son? Non. Non, c'est calme. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que on voit dans la musique. C'est des gens, on écrit pour eux, c'est juste des interprètes. Il y a des artistes qui sont faits pour être, interprètes, il y a des artistes qui sont faits juste pour être compositeurs. Il y a aussi des gens qui écrivent les top lines, enfin qui les top lines, c'est différent. Ça, ouais, mais je pense que ça reste la mélodie. Mais je pense qu'au tout début, il faut quand même ressentir la patte de la propre identité. Après, oui, ouais. Bien sûr, après c'est calme. Mais après, je pense que quand tu comprends que tu commences à avoir du buzz et que ton écriture, elle est pas ouf. Pas folle, je pense à partir de là où tu te rends compte qu'il te faut peut-être un compositeur ou tu vois. Mais c'est intelligent aussi de la part de ces artistes-là. Ouais, il faut savoir le reconnaître. Mais par contre, t'as l'air déjà à un âge où les rappeurs, c'est pas du tout une critique, mais ils accordent de moins en moins d'importance. Toi, t'as l'air quand même de remettre les lyrics et les paroles à la place où elles doivent être et d'y accorder une bonne importance en tout cas. Au-delà de la vibes, au-delà de kicker, etc. Parce qu'il y a une sorte de vibes dans le son, quelque chose de très ambiancé, mais tu remets quand même les lyrics où il faut et on sent que t'aimes écrire quoi. Bah par rapport à ma génération à moi, j'ai l'impression que en fait j'ai des codes d'anciens un peu. J'ai un peu des codes d'anciens. On pouvait voir avec Rémi qui est arrivé un petit peu. Voilà. C'est ça en fait. T'es un 2000, c'est ça? Ou voilà. Zixo. Exactement. Zixo, exactement. Ouais. Zixo aussi, Zixo. Ouais, qui est très fort. Il y a un titre dans ce projet qui s'appelle Chaque jour et qui comptabilise plus de 500 000 vues sur YouTube. Est-ce que ça a été une sorte de tournant dans ta jeune carrière? Tournant, bah franchement, ce son, c'est. En fait, les vues, elles montent trop progressivement. Quand tu penses que les vues, elles s'arrêtent, bah non. Ça continue. Celui-là, c'est le seul vraiment. Tu vois, les autres clips, ils montaient, puis à un moment, ils s'arrêtent. Puis quand je sors un autre clip, les gens, du coup, ils vont sur le clip d'avant. Donc ça refait monter un peu chaque vue à chaque vidéo, tu vois. Mais chaque jour, ils. Ça continue. Ça arrêtait jamais de monter. Et les gens, ils me demandaient sur chaque vidéo. Ça me dit, ouais, on refait un son comme chaque jour. Il y en a un petit peu aussi dans le projet Contaminé qui était sorti avant, il est un peu dans ce délire là aussi. Non, je pense pas. Hein. C'est notre. Ça peut toucher autre chose. En vrai, je sais. En fait, tu vois, chaque jour, je sais pas vraiment qui ça touche parce que ça a touché trop de gens. Ouais. Ça a touché trop de gens. C'est je peux même pas me dire j'ai touché tel public parce que c'est un son qui est en plus assez ouvert, tu vois, il est assez accessible à tout âge. Donc même des personnes. Âgé vient de me voir en mode oh, j'aime bien. Et bah là ça va toucher les auditeurs de VL et du Toubou Rap parce qu'on va se passer tout de suite chaque jour de Megaski sur VL. Voilà. Chaque jour je me réveille, j'ai des sales idées. Poche remplie de problèmes et de cet argent sale. Et j'attends que la chance vienne me valider. Je suis prétend être le sang, donc me salis pas. Chaque jour je me réveille de mauvaise humeur. Et j'entends les pleurs de ma mère. D'ailleurs, pourquoi ce pseudo Megaski, tu nous le disais en off un petit peu. Mes potes, ils aimaient trop remixer mon nom avec des cris en mode Megaski. Et c'est parti Et c'est parti en Megaski. Au final, j'ai aimé. Et t'as gardé. Ouais, j'ai t'as gardé. Ouais, j'ai gardé. T'as bien fait, ça passe bien en vrai. Ouais, j'aime mieux. Megaman, ça aurait fait peut-être un peu enfant. Ouais, là, ça a glissé. Là, Megaski. T'as commencé très jeune, c'était quoi, toi, tes influences dans le rap étant petit? Ah, moi, j'écoutais un peu beaucoup de trucs. Hein. Beaucoup de trucs, mais. Rap. Attends, il y avait quoi? Il y avait Kerry James. Y avait qui a commencé jeune aussi, ça peut être un exemple pour toi? Bah, c'est Kerry James. C'est que j'ai besoin de dire. C'est quelqu'un. Ce que j'ai besoin de dire lyricalement. Tu parles au terme d'une carrière que tu pourrais avoir parce que lui, il a commencé assez jeune aussi. Bah, il y en a quand même. Il a commencé à 16 ans. Mais en vrai, aujourd'hui, la musique, tu sais même pas. Moi, on parle pas d'âge. Tu sais même pas. Faut pas parler d'âge. On parle pas d'âge. Aujourd'hui, tu sais même pas. Il y a un mec, il peut commencer la musique demain et péter, tu sais pas. Bah, regardez, nos deuxièmes invités, ce seront les OR. Ils avaient 13 et 15 ans quand ça a pété. Exactement. On ouais. Est-ce que t'as un feat de rêve pour plus tard? Parce que t'as déjà fait des beaux feats quand même. Moi. International, hein. Qui tu veux? International, qui je veux? Tu peux réviver déterrer les morts aussi. On aime bien dire ça. Déterre les morts. Vraiment, le feat de rêve. C'est dur. Là, je vois qu'il est. Il y a trop de choix carrément. Il y a trop de choix. Allez, sur le moment même. Là, si je dis un feat comme ça. Du moment, ouais. 50 Cent. Ah ouais. Ouais, 50.
La classe aussi, ça. Ah, c'est incroyable. Bon, quels sont tes objectifs maintenant? Est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce qu'il y a le volume 2 de Don Camtar en préparation? Il y a toujours des préparations, ah, oui. C'est tout ce qu'il faut savoir. Il nous l'a dit, hein, moi dès que j'ai 5 minutes, j'écris, donc j'imagine. Ah, il y a toujours des. Là, je viens de sortir un projet. Ouais, tu le défends encore. Tu vas clipper, je vais le défendre. Il y a quel clip qui devrait arriver? Un épisode 7? Un épisode 7? Je sais pas. Tu t'exclus pour nous, on aime bien les exclus ici. Bah là, j'aurais aimé te donner une exclus. T'as rien sur la même, je sais pas, ça se trouve. Mais on peut peut-être dire... je peux clipper peut-être le son avec Ringley. Peut-être à la maison, je le sens bien à la maison. À la maison, ouais, à la maison. À tout moment, on prend le choix. Ouais, c'est vrai. Et un projet, non, un album, tu t'exclames. Pour l'instant, je vais défendre. Pour l'instant, je défends le projet et. Chaque chose en son temps. On va citer, je suis toujours en préparation. Voilà, il y a toujours des trucs qui se cuisinent. Toujours en mouvement. Toujours en mouvement, c'est important.